Coucou mes petits chats! On écrit la date du jour? On est quel jour aujourd'hui? Hier, on était lundi. Comment il s'appelle le jour après lundi? Il s'appelle mardi! Comment l'habille Monsieur Loup? Il est tout nu là. Comment l'habille le mardi? En quelle couleur? On vérifie? Le loup enfila le pull de laine rouge, rouge, que lui avait tricoté sa grand-mère, ainsi qu'une paire de bas écarlates. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama: « Nom d'un petit cochon! Maintenant, on dirait le Père Noël. Moi qui déteste Noël. Cela ne va pas du tout. » Alors, on l'habille en rouge, monsieur loup. Comment il a fait pour être tout rouge? On fait une jolie phrase. Comment il a fait? Et à quoi il ressemble en rouge? On commence bien la phrase par il ressemble. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un Père Noël. Mais je ne me trouve pas beau en rouge, cela ne va pas. Du tout! Non, je ne me trouve pas beau en rouge. Cela ne va pas du tout! On écrit la date. On prend un papier, un crayon. Les moyens, les grands. On écrit la date avec les lettres capitales. Je me rapproche. Voilà. Alors, mardi, on a dit, hein? M. Bâton. Montagne qui descend, montagne qui monte. Bâton. Ma. Montagne qui monte, montagne qui descend. Trait. Ma. Bâton. Petit ventre, montagne. Mard. D. Bâton. Il n'est pas droit. Bâton. Gros ventre. Mardi. I. Bâton. Point. Hier, on était le 20. Si on rajoute 1 à 20, ça fait combien? 21. Alors, 21. 21, c'est dans les vingtaines. Ça veut dire que ça commence par quel chiffre? Ça commence par un 2. Pont. Montagne. Trait. 21. 21. Un 1. Montagne. Bâton. Mardi. 21. On est quel mois déjà? Avril. A. Montagne, montagne, trait. V. Montagne, montagne. Bâton, petit ventre, montagne. Avril. Bâton, point. Avril. L. Bâton, trait. Mardi, 21 avril. Maintenant, les grands, on va écrire la date. Vous allez écrire la date en attaché, en lettres cursives. On commence le M. On y va? Pont à l'endroit, pont à l'endroit, pont à l'endroit, pont à l'envers. A. Demi-lune. Petit bâton qui monte, petit bâton qui descend dessus, pont à l'envers. R. Bâton qui monte. Boucle, trait.
bâton qui descend dessus, point à l'envers. D. Demi-lune. Grand bâton qui monte, grand bâton qui descend dessus, point à l'envers. I. Petit bâton qui monte, petit bâton qui descend dessus, point à l'envers. Point. Mardi, c'est le combien ça déjà? C'est quel nombre? C'est le 21. Allez, on y va. Pont à l'endroit. Montagne, trait. Et le 1, montagne, bâton. Mardi, 21. Avril, le A. Demi-lune. J'ai mis plein de craies sur le bout du nez. Petit bâton qui monte, petit bâton qui descend dessus pour à l'envers. V. Pont à l'endroit. Pont à l'envers. Boucle. R. Boucle trait. Bâton qui descend, pont à l'envers. I. Petit bâton qui monte, petit bâton qui descend dessus pour à l'envers. Point. Et la dernière lettre, le L. Grande boucle, point à l'envers. Mardi, 21 avril. On va faire un petit jeu de virelangue, comme hier. C'est parti. Oula. Allez. Je vais dire le virelangue. On a dit c'est une petite phrase compliquée à dire, il faut bien articuler. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. On peut dire. Moi d'abord, vous ensuite. Trois gros. Encore. Trois gros. Rat gris. À toi. Rat gris. Dans trois gros. Encore. Dans trois gros. Trou très creux. Encore. Trou très creux. Trois gros rats gris. Encore. Trois gros rats gris. Dans trois gros trous. Encore. Dans trois gros trous. Très creux. Très creux. Je fais la phrase et tu essayes après. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. À toi. Tous les deux ensemble parce que la phrase est longue. Un, deux, trois. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. Encore tous les deux. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. Une dernière fois ensemble. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. Je fais, tu refais. Je fais toute seule. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. Encore. Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux. Et voilà. Entraîne-toi à la maison. Bisous les loulous.